nous sommes à Dobbassi, à Douala, au Cameroun. Donc nous sommes dans la ville où j'ai grandi. Et j'ai l'honneur de vous présenter un projet que nous avons initié avec Laurent, ici à Dobbassi, pour soutenir les femmes et leur partager les compétences. Donc Véronique, qui vient de la Suisse, qui est agricultrice, a décidé de partager ses compétences ici à Douala et de former les femmes à la fabrication de conserves de tomates. Donc comme la nature est très généreuse au Cameroun et que nous avons de temps en temps beaucoup de tomates, les femmes peuvent conserver ces tomates en fabriquant des conserves qu'elles peuvent ensuite se garder à la maison et se simplifier un peu la vie. Donc nous, en contrepartie, on va lui apprendre quelques pas de danse africaine, que le partage se fasse dans les deux sens, et on s'est réjouis donc de vous présenter tout ça. Donc suivez-nous. Donc voilà, vous voyez les femmes qui sont en train de couper les tomates, certaines sont en train de laver les couteaux, et puis tout ça dans la joie, la bonne humeur et le plaisir de partager et d'apprendre plein de techniques différentes. Alors nous avons récupéré des bocaux déjà utilisés, donc on va faire du recyclage de bocaux. Et puis ces bocaux, on va les tremper dans l'eau chaude. Et ce sera l'idée de leur donner une seconde vie. Alors Véronique, tu expliques encore une fois. On va les remplir de l'eau bouillante avant le remplissage à chaud. La même chose avec les couverts, les bocaux et les couverts qui soient trempés dans l'eau bouillante. Ça, c'est important. Alors, l'idée du papier, c'est que l'air ne rentre pas dans le bocal, parce que c'est l'air ambiante qui, si ça rentre dans le bocal, c'est ça qui fait que la sauce tourne et que ça se conserve moins vite. On doit bien remplir le bocal alors. Qui n'est pas d'air. Un demi-centimètre. Bah oh, vas-y doucement, ça peut arrêter, ça t'a la tonneille. D'acheter la tomate, la jeter pour rien, sans toutefois savoir que nous pouvons bien la conserver. C'était très pratique et très facile. C'était très facile et je l'adore. C'est très bien cette tomate. Et tu la prends juste et tu mets dans la marmite. En 5 minutes, le repas est prêt. Moi, je l'adore. Thank you.
partager le savoir suisse avec le savoir africain. C'était très enrichissant pour moi. J'ai vu que les femmes étaient très motivées. Ils mettaient tout de suite la main à la pâte, comme on dit. Ils aidaient. On a pu rire, on a pu échanger. Et puis, ce que je trouve génial, ben, y en a une ou l'autre, j'ai vu qu'ils apprenaient très bien. Ils veulent le reproduire. Ils veulent le faire chez eux ou bien même le montrer à d'autres. Alors, c'est ça qui est génial. Elle est bien, très bien. Elle nous a montré comment faire la tomate. Elle était tellement bonne et on l'a bien conservée. On pensera à elle à tout moment. Et on le fera aussi. Ça, c'est bien. C'est le but. Oui, nous allons continuer à le faire. C'est le but. Voilà. Le but, le montrer à d'autres. À d'autres. Oui. Laura!